Bonsoir à tous. La montagne à l'heure du coucher de soleil. Et pour tout vous dire, le soleil vient de se coucher. Nous sommes à la Clusaz, aux confins, 1350 mètres d'altitude, et le temps est dégagé, et on a la montagne qui disparaît dans le noir, en direct, dans la place du village. Nous sommes à peu près à 17h30, c'est ça à peu près, j'imagine, j'ai pas regardé l'heure précisément. Et la montagne entre chien et loup. Elle est pas belle, la montagne entre chien et loup, en direct depuis la Clusaz, les confins. Nous sommes accueillis avec bonheur chez Fernand, qui habite là où nous sommes, figurez-vous, alors que la nuit tombe avec son jardin ici. Et on a donné à manger, il a donné à manger à ses moutons, Fernand. On va regarder une petite vidéo, parce qu'on ne peut pas la passer maintenant, elle ne passe pas en direct. Fernand, qu'on va découvrir ici, qu'on a déjà rencontré dans l'émission La Place du Village, c'est l'heure de nourrir les moutons. Hein. Ah ouais, j'ai déjà donné. Voilà, c'est fait. Alors il a pris, et vous le verrez dans une vidéo qu'on va poster juste après celle-ci, un grand sac de foin, ça donne presque envie d'y manger. Le foin est bon ici. Hein. Ah ouais, il est bon. Mais bon, avec la pollution maintenant, il n'est pas aussi bon qu'avant, hein. Alors, l'information de Fernand, le montagnard, né ici en pleine montagne avec ses moutons, il nous dit que le foin est moins bon qu'autrefois. C'est vrai, Fernand? Ah ouais, avec la pollution, hein. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le goût du foin, là? Comment ça se passe? C'est les gaz des voitures, tout ça. Ben c'est ça. Ouais. C'est une information parce que nous sommes en pleine montagne et c'est vrai que la pollution peut venir ici. Alors, on va voir le bois, tiens, Fernand, on va le montrer ici. Le bois empilé au millimètre. Alors, hé, Fernand. Comment ça se passe le bois? Ah ouais, mais je le coupe. L'automne. Alors, ce bois est coupé à l'automne. Il est donc travaillé parce qu'il vient de la montagne. C'est Fernand qui le fait. Avec pourtant un petit peu de déficience visuelle, tu fais ça tout à fait normalement. Bah ouais, la tronçonneuse, circulaire, tout, Ça, sans c'est deux. fort. C'est incroyable. Nous sommes en montagne. Si vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, Fernand vient de nourrir ses moutons. Il y a les poules qui sont juste à côté. On va regarder. Tiens, les poules ici, on va les entendre. Les polailles, comme dirait l'ami Pauillac. La lumière, elle est où, Fernand, là? Comment on fait? Il y a une cellule. Elle est où, la cellule? Elle marche plus, là, parce qu'on est dans le poulailler, ici, pour tout vous dire. Voilà, les poules qui sont là, en face de moi, en direct. J'espère que la liaison est bonne. Fernand, qui a 13 poules, qui sont nourries, alors, avec des choses incroyables ici. Allez, hop, des résidus, etc. Du bon repas qu'il fait chaque jour. Des poules. Fernand, il n'y a pas de coq ici, là, d'accord, hein? Il n'y a pas de coq. Alors, on va laisser écouter à nos téléspectateurs Facebook, enfin nos amis, abonnés Facebook, le bruit des poules. Elles font comment ces poules? Ils font cote, cote, cote. Elles font cote, cote, cote. Allez, tiens, allez-moi ça. On va les écouter. J'espère que la liaison est bonne encore ici. Poulailler de Fernand. Direct, c'est exclusif. La montagne, ses coulisses, la place du village, c'est ça. Regardez-moi ça. On va ressortir un peu dehors, on a plus de lumière, peut-être plus de liaison aussi. La montagne, tiens, on voit en face, il faut dire ce que c'est, Fernand. Pour ceux qui ne connaissent pas la montagne, à l'heure où nous sommes, après la fermeture des pistes, on voit des lumières qui sont dans la montagne. C'est pas des extraterrestres. Non, 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 c'est les dameuses. La piste. Voilà. Et tous les soirs, c'est le même balai. Ouais. C'est incroyable. Faut aimer à faire ça. Parce que c'est en pente, hein. Dis donc, c'est de... Heureusement que c'est dur parce qu'il y a les avalanches. Hein. Si c'était doux, dis donc. Oui, parce que la neige a bien durci, mais sinon ça risque de partir, c'est ça? Ah bah ouais, dis donc. Hein. Ouais. Fernand, toi qui es un vrai montagnard, cette montagne qu'on voit ce soir, là, regardez, c'est ça. Et même si la nuit commence à tomber, tu pourrais pas t'en passer, toi. Ah bon, moi je suis bien là, je resterai pas en ville, hein. Non, non, non. Et puis, ce soleil couchant, parce qu'il vient de se coucher, ah moi ce ciel là-bas, t'as vu, ça annonce quoi ça? Ouais, c'est quand c'est clair, c'est le beau temps. Ouais, mais il n'y a pas des nuages un peu rouges, ça annoncerait pas autre chose? Non. Ben non, je sais pas. La belle tournette s'endort paisiblement, nous dit-on sur le réseau. Et vous avez raison, c'est la tournette qui est là-bas au fond. C'est le beau temps. Encore demain, après vendredi, ça va changer. Vendredi, c'est une information, ça va changer. Ça veut dire que vendredi, après, on va retrouver la neige ici où nous sommes. Alors, on dit bien qu'il y a encore de la neige, il faut le dire à ceux qui veulent faire du ski. Hein. Ah ben encore là, oula. Beaucoup là-haut. Ouais, là-haut, il y en a plus. Puis là, pour les skis de fond, c'est bien, là. Ils passent là-dessous, là. Là, en face, les pistes de ski de fond, juste en bas. Et là où l'été, il y a les pâtures, et où il y a même les poules et les moutons. L'hiver, il y a les skieurs de ski de fond. Ben là-bas, ouais, dis donc. Corinne nous dit bonjour du Luxembourg, il pleut. Ah bon? Nom de Dieu.
Bonjour de Colombie, du Pas-de-Calais. Dites-nous où vous habitez, puis on va transmettre le bonjour à Fernand. Présente Fernand, j'ai vu dans l'émission. Fernand qui est seul, faut le dire, Fernand aussi. Hein. Ah ouais, seul. Puis... On s'adresse à celle qui nous regarderait, qui serait seule aussi éventuellement, on dit bien comme ça. Vous cherchez une compagne. Ah bah ouais. Qui est de nature. Ah bah ouais, simple, toi. Ah ouais. Ouais. C'est ça. N'hésitez pas à nous transmettre vos informations si c'est le cas pour vous, évidemment. Et puis surtout, eh bien, Fernand habite dans un décor absolument incroyable. C'est, regardez-moi ça, la montagne. Avec la nuit, on nous dit bonjour du Valais. Regardez-moi ça, bonjour. La Clusaz, nous dit Damizo, c'est Damien, pardon, Damien Rabineau. La Clusaz qui est la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit en montagne? Rien. Les animaux, ils font quoi? Ils font dodo. Les animaux, ils ont pas chaud, hein. Ah, ils sont dedans, ils n'ont pas froid. C'est ça qui est sûr. Tiens, le chat qui, on voit ici le chat de Fernand qui cherche certainement un petit rat, j'imagine. Il y a peut-être ce qu'il faut ici. Ouais, il y en a deux, trois des fois. Ah ouais. Bon, j'en ai deux autres chats encore. Des chats, des poules, des moutons. On verra les moutons sur la petite vidéo qu'on mettra juste après. 5 brebis et puis 4 petits agneaux aujourd'hui. Les moutons qui sont l'été dans la montagne là-haut. Regardez-moi ça, la nuit tombe progressivement sur les Alpes actuellement et on voit quasiment plus rien. Seul le ciel encore allumé avec quelques nuages encore rougis par le soleil couchant. Ça nous rend poète tout ça. Il pleut sur Nantes, nous dit-on. Ben, n'hésitez pas à nous dire si ça pleut. Ben, bonjour à ceux, ils n'ont pas de chance. Hein. Ah non. C'est pour après-demain. Certainement après-demain, de la neige ici où nous sommes, à 1300 mètres. Les nuits sont un peu froides ou pas ici? Ben ouais, pas trop, non, ça va, on est habitué. Hein. Ben bien sûr. Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hiver sera comment? Parce qu'on arrive au 15 janvier, bon, il y a neigé effectivement, on en voit encore de la neige ici. Mais on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de neige jusqu'à présent. Ah non, ben la terre se réchauffe. Hein. C'est une information, Fernand, qui habite la montagne, nous dit que la terre se réchauffe. Ah ouais, oula. Ah ouais, bah y a moins de neige, hein, dis donc. Ouais. Le foin est moins bon parce qu'il y a des changements climatiques aussi. Et puis, ça veut dire que c'est inquiétant ou pas? Ah bah là, ouais, c'est inquiétant. Là. Ouais, là, c'est... Je sais pas ce que ça va donner, là. Le chat ici qui est en train de chasser les souris, là, il est juste à nos côtés. Et il a l'air tout content. Peut-être qu'il a déjà récupéré des souris. Il en a vu une, là. J'ai l'impression qu'il fait ses yeux. Regardez-moi ça, ce chat ici, magnifique. Il est parti. On a fait peur. Et le bois, on dit bien, ça sert à chauffer la maison. Parce que Fernand, il faut chauffer au bois ici. Ah ben, on chauffe au bois, mais ça pollue la nature. Tout pollue maintenant. Écoutez, c'est l'information du soir. Ça pollue, même s'il y a quand même de l'air frais, soit de l'air plutôt pur. Fernand, on va vous laisser, merci, rentrez au chaud, parce que pour tout vous dire, il est gentil de nous répondre, hein, nourrit les moutons, mais il a quand même une petite grippe quand même. Ouais, mais ça va déjà mieux. On va rentrer, vous allez rentrer au chaud, vous remercier, on va saluer ceux qui nous ont regardés, merci d'avoir laissé des messages. Et on rappelle que Fernand cherche compagne, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous le transmettre, en message privé évidemment. Et puis on va terminer sur cette magnifique nuit étoilée, ici dans la montagne, bonsoir, de la région parisienne, vous vous rendez compte? Et ça, c'est un magnifique endroit. Avec une étoile, c'est quoi cette étoile-là? C'est peut-être Vénus, c'est ça? Je ne sais rien. Et puis des nuages un peu rougis. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, avec vos petits smartphones, ou votre ordinateur, ou vos iPads, pour cette petite page en direct de la place du village. La température, ça baisse progressivement, mais il fait pas froid. Et tout est...